मन को लुभाने आपकी अपनी इस सारी ajuster sa chevelure. Avec les pieds, ça va être juste la pointe des pieds qui va toucher le sol et le corps un petit peu en arrière. Avec les mouvements des bras, ça va faire les bracelets, boucles d'oreilles, le col et les cheveux. Pour le refrain Fashion Katam, on va d'abord pointer le pied droit, puis pointer le pied gauche. Après ça, on va fléchir les genoux et se mettre sur la pointe des pieds, fléchir les genoux et se mettre sur la pointe des pieds. Avec les bras, pour le refrain Fashion Katam, on va s'avancer paume au ciel en s'appuyant dans le sol, à droite, puis à gauche. Et au moment où on va fléchir les genoux et se relever, on va faire un grand cercle avec le bras en arrière et pareil avec le bras gauche. Donc ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour le couplet Babuji, on va faire un semi-diamond en s'appuyant d'abord sur le pied gauche. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avec les bras, on va faire deux choses différentes. En première partie, sur les quatre premiers temps, on va monter les mains en ayant une paume au ciel, une paume au sol, et au fur et à mesure qu'on monte en quatre temps, on va intervertir. Donc ça donne 1, 2, 3, 4. Puis pour redescendre les bras, on va garder les mêmes mouvements pour les pieds, mais on va mettre les mains en fleur et on va redescendre tout doucement. 1, 2, 3, 4. Donc ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour le couplet suivant, on va faire un dipping avec le même pied pendant tout ce bloc-là. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite.
Avec les bras, on va faire des petites vaguelettes. Donc on en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les pieds et les mains, ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour le couplet suivant, on va garder le dipping. 1, 2, 3, 4. Puis on va faire un tour sur soi, marquer une pause et passer au pas suivant. Voici les pieds et les mains. 1, 2, 3, 4. Tourne, pause. Pour le couplet suivant, on va faire un tapé talon. On va faire 1, 2, 3, 4. Et on va enchaîner. 1, 2, 3, 4. Pour les bras, on va, en même temps qu'on tape le talon, on tape le coude dans le même alignement. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Et si on enchaîne les pieds et les mains, ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Merci. Alors, sur la petite mélodie, on va marcher comme au début, très girly. Quand l'homme va parler, on va reculer en fléchissant les genoux, puis on pose le pied droit derrière. On a les mains flex. On fléchit les genoux, on fait le pas gauche derrière. On fléchit les genoux, pas droit. Fléchit le genou, pas gauche, etc. Quand la fille va parler à son tour, on va agiter le doigt comme ça, et avec les pieds, on va marquer deux fois au sol. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quand l'homme va parler, de nouveau, on va fléchir les genoux pas droit en arrière, fléchir le genou pied gauche en arrière, fléchir le genou pied droit en arrière, etc. Et quand la fille va de nouveau parler, de nouveau, pointer deux fois au sol avec le doigt qui s'agite. Pour le couplet vague, on va faire un chassé sur la gauche, puis la gauche, la droite. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Avec les bras, on va faire une première vague avec le bras gauche, puis le bras droit, puis le bras gauche, puis le bras droit. Évidemment, le bras gauche avec le pied gauche et le bras droit avec le pied droit. Donc ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.